Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Partidance. Un grand plaisir que vous ayez cliqué. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qui se trame? Il se trame que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce jeu, ça remonte à un bail. Mais là, on va tester, on va voir, il y a eu l'ajout de dinosaures, il y a eu l'ajout de beaucoup de choses. On va tester direct. J'y vais, connexion directe. Confirmé. Ah ouais, faut télécharger la map. C'est vrai, voilà, c'est typiquement ça. Les joueurs maintenant peuvent créer des maps. Je pense qu'ils peuvent aussi créer des dinosaures. On verra ça à l'avenir évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de tester ce dinosaure là, le Daspletosaurus, qui est ma foi, qui a l'air plutôt énervé. Damage, il a beaucoup de damage, il a pas beaucoup de recovery. Water speed, bah ouais, c'est un caillou. Hop hop hop, le téléphone. Défense, ok, il est plutôt solide. Land speed, ouais, il court assez vite. Survivabilité, ouais, ça va, il a une bonne survivabilité. Ok, alors mâle, femelle, d'accord. Il y a plusieurs styles. On va prendre le style balancé, voilà, très bien. On va les couleurs, on s'en fout. On va l'appeler Tog Mar. Et on va y aller tout simplement. On va choisir notre Daspletosaurus et on va rentrer dans le monde. Du coup, on est avec le dinosaure, ça y est, le Daspletosaurus. On va faire le petit test habituel, l'écrit. Ouais, ok, badass, sacrifice fort. Ouais, ça c'est le cri gentil. D'accord. Cri un peu agressif, hein. D'accord. Oh, au secours, au secours. Ok, très bien. Bon, et après ça c'est les petites émotes. Voilà. Ok, très bien. Bon, les cris sont plutôt pas mal. Ensuite, il fait nuit, quoi. C'est terrible. Ensuite, bah, les attaques. Bon, et un coup de bouche, hein. Un coup de bouche. Un coup de queue. C'est pas mal. La vitesse. Bon, la vitesse, là, pour la tester, c'est un peu... un peu spécial, parce que là, c'est en pente. Donc, forcément, il va plus vite. Mais ça va, il a l'air d'être pas mal. Niveau stam. Ouais, niveau stam, ça va. Ça a pas l'air non plus horrible, hein. Ça a l'air plutôt pas mal aussi. La rotation. Ouais. La rotation est plutôt bonne pour un gros dinosaure, on va dire aussi. Hein. Comment il régène sa stam? Alors, on va voir. On va se reposer. Alors, comme ça, de cette façon-là. Ouais, ça va. Et alors, de cette façon-là, en étant couché. Ouais, ça va, il régène plutôt pas mal. En vrai, ça va, il m'a l'air assez équilibré comme dinosaure. Avant, maintenant, comment il frappe. Hein, ça, c'est quand même très, très important. La map, c'est ça. Hein. Alors, je suis où? Focus player. Je suis là. Ok, d'accord. Donc on va aller là, et après on va aller au lac, parce que bah, je pense que, comme d'habitude, c'est là où il va y avoir tout le monde. Ok, on va faire ça. Ah oui, ils ont rajouté un truc aussi. Putain, ça c'est super bien. Ils ont rajouté, regardez, la marche automatique. Mais ça c'est incroyable. Partidance, là vous faites plaisir. Alors, waouh, incroyable. On a tout simplement réalisé une quête. J'ai 50 points. Là je dois faire une autre quête. C'est quoi? Deliver one in Kunkunt. D'accord, quête. Alors ça fait quoi? Quête personnelle. Suivre. Deliver one in Kunkunt. D'accord, j'ai 50 crédits. Je crois que c'est juste pour améliorer les skins, hein, c'est tout. Hein. Personnage. Abilities. Ah, attends, mais ça c'est incroyable. You must sleeping to hit your ability. Ok. Caché. You must sleeping to hit your ability. Alors ça... mais ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une très grosse mise à jour. Alors peut-être que ça fait longtemps qu'elle existe. Mais c'est vrai que vous avez peut-être vu que cet été, je n'ai pas été trop présent. Ouais, la petite vacance. Donc oui, vu que vous avez posé la question aussi, j'ai passé des bonnes vacances. Je me suis bien régalé. Voilà, en gros, c'est ça. Petit point situation IRL. Maintenant, repassons dans le jeu. Mais ça s'est amélioré, tout ça. Ça s'est clairement amélioré. On entend l'ambiance sonore. Il y a de l'ambiance sonore. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Après, bon, voilà, ça, c'est toujours pareil. Ce qu'il faudrait rajouter, je sais pas s'il y en a, je sais pas s'il y en a pas. Oh, j'allais dire des IA pour peupler un peu le monde. Mais regardez ce qu'on voit devant. On voit du monde. On voit du monde, on voit... c'est pas un Barbulbia du coup. Hein. C'est un je sais pas quoi ça. Lambéosaurus. Alors, je peux rien faire là. Il se passe quoi là? Salut les gros. Je vais vous attaquer, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, je vais vous attaquer. Oh, il y a un Sarcosuchus. Tout, mais pas ça. Pas lui. J'aimerais même tester ma force, mais je sais pas si je suis fort, je sais pas si je suis pas fort. Et là, ils ont l'air potes, en vrai. Hein. On va faire le tour tranquillement pour l'instant. Hein. What? Il y a bagarre.
Y'a bagarre, y'a bagarre. Eh, c'est pas moi, hein. J'suis pour rien, j'suis pour rien. À mort. Vas-y, il fait quoi le Sarko là? Dégage, dégage. Non, non, il est mort le pote. Toi. Il se passe quoi? Attendez, je vous enlève les gamins. Ça y est, c'est parti en cacahuète. Pourquoi tant de violence d'un coup? Vas-y, je m'éloigne. Y'a quoi là? Vas-y, barrez-vous. Eh, je suis pour rien, hein. C'est pas moi. Hein. Calmez-vous tous. Barre-toi, je te croque à la nuque, moi. Tu veux quoi le truc là? Ah ouais, je suis cool. Je peux essayer, je vais le fighter lui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, fait aucun dégât. Je l'ai démonté. Je t'ai démonté, frérot. Je t'ai démonté, frère. Tiens, prends ça. Tiens, craqué à la nuque. Tiens. Merci, Spino. Ok, gentil, tu veux quoi, toi? Toi, tu veux quoi, toi? Dégage. Wesh. Je cherche quoi, la poule, là? Ok, bah on va pouvoir voir la régène maintenant, hein, tout simplement. Après, la régène à côté d'un sarcosucu, je suis pas sûr qu'elle se déroule très bien. Hein. Tu veux quoi, toi? Ouais. Vas-y, m'éloigne. M'éloigne pour manger. Hop là. Non, ça va pas du tout. La sauve titan, ça il faut l'améliorer. Tu veux pas manger chez moi? Casse-toi! What? Je me suis fait. Wow. Ah ouais, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ces griffes là qui. Ouais, il fait trop mal quoi. Ça veut dire que je saigne. Mais c'est pareil, c'est pas très beau comme. Comme affichage. C'est pas très joli, ça faut modifier parce que titan. Il a tout mangé? Le vieux schlag. C'est quoi ça? Un cerato? Je vais te traquer jusqu'à la mort, petit ceratosaure. Eh ouais, t'es foutu. Je le sais, t'es foutu. La traque au ralenti, mais la traque quand même. Voilà, ça. Eh ouais, tu peux rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, dans le mal, hein. En vrai, ouais, un dinosaure plus petit, vraiment dans ce jeu, il peut pas, quoi. Parce que les gros dinosaures qui ont une mauvaise rotate, ils ont les coups de queue pour se défendre par l'arrière, du coup, tu peux pas astride. C'est totalement obligatoire d'être en groupe pour chasser un gros truc, hein. Croqué! Voilà, ça. Le petit ceratosaure. T'es mort. Bouffer un coup, hein. Yes. Un régal. Un régal. Bon, ça, c'est, du coup, c'est une carte, hein, au passage, là, malgré tout ce déchaînement de violence. Ça, c'est une carte qui a été entièrement créée par les joueurs. Donc, écoutez, bah, c'est de la plaine, avec un lac central. Quelques sapins, voilà, qui sont quand même pas très jolis à regarder. Pourtant, mes graphismes sont élevés, je pense. Élevés, ouais, je suis tout en élevé, hein. C'est aussi en partie pour ça que j'avais un petit peu délaissé Pass of Titan, pour être honnête avec vous. Bah, parce que... Avec Evrima, elle a vraiment pris un coup, Pass of Titan, regardez les arbres. C'est quand même pas très joli. Les animations des dinosaures, comme vous voyez, c'est pas très joli non plus. Quand ils mangent, les combats, c'est pas très beau. The Hell, c'est quand même un petit peu au-dessus. Enfin, c'est pas un petit peu au-dessus, c'est carrément au-dessus. On va pas se le cacher quand même. Dites-le-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Le jeu avait eu une très très bonne évolution au tout début. Quand The Hell, évidemment, était un jeu, c'était une purge, hein. Legacy, full buggé, les couleurs, en fait, tout était pourri sur Legacy. Donc à ce moment-là, Pass of Titan a réussi, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, à tirer son épingle du jeu.
Mais là, depuis qu'il y a Evrima, elle passe au Titan, commence à accuser le coup, on va dire, un petit peu. Alors, on va se coucher ici. Juste deux secondes, j'ai envie de tester un truc. Ah ouais, voilà, ça coûte des points. Low damage with bone break chance. Ok. Ah d'accord, on peut rajouter la possibilité de bone break. C'est pas mal. Ça, bon ça je l'ai déjà. La queue. Lose the ability to attack with tail gain increase speed most turn radius. Ok, c'est un truc qui améliore radius. Caché. 1300, d'accord. Ouais, il faut vraiment, j'avais pas vu. Hein. J'avais pas vu, mais il faut vraiment compléter des quêtes pour améliorer son dinosaure. Donc on va essayer de compléter les quêtes. Il faut que je trouve toujours cette Inkulkutch. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvent qu'on peut pas comparer ces deux jeux. Moi je trouve qu'on peut les comparer. Et sur des aspects du point de vue du graphisme, des combats, de l'interface et tout, c'est des trucs qui sont importants. Et je trouve que ouais, Evrima est quand même vachement meilleur. Bon, après... voilà, après le gameplay, là il y a des trucs à faire. Il y a vraiment un objectif, il faut que je trouve un Inkulkutch. Donc on va essayer de trouver cette Inkulkutch. On va essayer de le dire aussi. Inukshuk. Enfin, Inukshuk. Désolé. Alors, c'est quoi un Inukshuk? Yo, le ho. Bon, moi, je cherche les Inukshuk. Est-ce qu'on essaierait pas de se faire le Sarkoon? Mais moi je dis les gars, venez on tente le Sarko, non? N'ayez pas peur en vrai. Hey, tu crois que j'ai peur moi de toi là? Sarko s'excuse de mort. Mais viens là le blanc là-bas là, tu fais quoi en fait? Et lui là, ils font quoi tous à être stun comme ça là? Pourquoi ils sont tous... Oh les gars! Les gars, on se réveille, hein, faut bouffer dans la vie. Hein. Vous faites quoi, les gars? Pourquoi vous êtes plantés au milieu comme ça et vous faites rien? C'est terrible, ça. Vas-y. Ouais, la poule. Hus! Elle me mord pas, toi, frérot. Il y en a un autre qui arrive, fais gaffe. What? Ça a été mort. Adieu. Par contre, on lui fait mal, en vrai. Hein. Il entend mieux que lui, j'ai l'impression. Ouais, je suis mort. Ah non, c'est bon, j'ai tanké. J'ai juste plus que je bouge. Lève-toi, frérot! Et en fait, là, faut juste attendre que la barre. Voilà, se remplisse ou se vide, ou on sait pas trop dans quel sens. Ouah, comme il s'est. C'est abusé comme il s'est fait saigner, lui, là-bas, là. Non, mais les Sarko, ils sont trop forts, c'est abusé. Hein. Vas-y, c'est toujours les mêmes racailles, ceux-là. Trois mois après, ça change rien, quoi. Ils ont toujours les lois. Il s'est isolé, lui, le con. Si j'arrive à passer derrière, je le défonce. Alors, tu es où le malin là, hein? Eh ouais, mon pote! Il a crevé! Vas-y, mais ça meurt jamais ces trucs, c'est abusé quoi! J'aurais pu le tuer. Hein. Bon, le Daspli il peut tuer assez facilement un Sarcosuchus. Un seul, deux c'est trop quand même. Le problème c'est qu'on fait pas de saignement. On peut de bonne break j'ai l'impression. Alors peut-être qu'on peut faire du saignement avec des améliorations hein, du coup, je sais pas. Mais en tout cas regardez comme il est dans le mal celui-là là. Dommage qu'il y a son pote. Hein. Dommage. What? Eh toi fais gaffe à toi là. Dégage. Il fait quoi à traîner à côté lui? Vas-y, t'es mort toi! Blablabla. Allez, on le bouffe! Hus! Ah, ça tourne trop bien cette merde! Yes! Je suis passé derrière!
joueur français, le Daspletosaur français. Yes! Chez! Sarcosuchus! Zéro! Allez, voilà! Daspletosaur 1. C'est la première fois que j'en tue un. Ouais, par contre, Castor, quand même. Ouais, j'ai plus de stab en vrai. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse vraiment gaffe. Gros, je l'ai tué. Il y a à bouffer, mais. Va falloir que tu viennes. Hein. Va falloir que tu fasses autre chose, là. Là, tu es stun, mon pote. Ça va pas du tout. Hein. Et vous deux, là? Le couple. Poule. Gros lard, là. Faut arrêter. Moi je veux juste manger un coup, alors tu me laisses toi là-bas. Attends, mais bon, si j'attaque mon pote, frérot, je te fume. Même s'il est un peu éclaté, mon pote. Mais barre-toi en fait. J'ai plus de stam. Dégage. Casse-toi, je te dis. Fuis devant la puissance du Daspletosaurus. Voilà. À ton tour, frérot. Vas-y, défonce-le. Défonce-le, fais gaffe, passe pas devant. Voilà, ça. Ouais, tu nous as saoulé, toi. Voilà, ça. Ouais, toi, on peut te ride. Hein. Vas-y, dégage, justement. Voilà, ça. Allez. Sarco de merde. Mais il meurt un peu, non? Voilà. Sarcosuchus, 0. Daspletosaurus, 2. Et voilà, ça. Ah, ça fait plaisir. Un dinosaure capable de tuer le Sarcosuchus assez facilement. Et tu fais quoi, le Sarco, là? Va chez toi là. Voilà, défonce-le. C'est comme ça. Mais non, mais j'ai rien fait moi, tu veux quoi? J'ai rien fait, salaud. Mais genre, il court plus vite que moi le croco là. Oh, mais c'est abusé ça, pourquoi il m'a croqué à moi? Il m'a entendu à travers l'écran. Là, je me casse. Et là, typiquement, si je commence à continuer de courir comme ça, je pense que je suis mort. Là. Faut que je me mette comme ça. Il faut vraiment que je régène. Ouais, allez, regardez, j'ai un HP en me mettant comme ça. What the fuck. Ouais, je suis dans, vraiment dans le dur, là. Ah, pas du tout. Allez, là, il est mort, là. L'attaque des Daspletosaurus. Ouais, il fait écrit gentil, le schlag. Vas-y, mais fume-le, mais attaque-le. Mais il me rend fou, le mec, là, qui est avec moi, là. Eh, hey, tu crois que tu vas mourir IRL ou quoi? Ouais, merde. Coûte que coûte. What? Ouais, mais ça bug à mort. Hein. Moi, je m'en fous, hein, je te flingue. Hein. Mais il est con, il m'a mordu. Mais qui est con? Oh là là. Tu vois pas que je suis en train de taper, c'est grave ça. Ouah, c'est la hesse le combat. Voilà ça. Sarcosuchus 0, Daspletosaurus 3. Eh ouais. Bon. Ouais, je vais me poser. Allez, viens manger mon frère. Viens manger mon ref. On se pose à côté de la carcasse. Tout simplement. Comme ça. On est bien là, non? On est bien. On est bien. Attends, je vais mettre comme ça, gros. C'est quoi ce merde là qui arrive? Fume-le! Aluramus! Il me focus!
Il me focus. Vas-y, va te battre. Voilà ça. Mais il veut quoi en fait? Il est trop fort le Deathplayer. Ouais, dans ta gueule en fait. Bon, on va se poser, on va régénérer, on va aller checker l'ankylo là. Ah, lui il doit se sentir tellement dans la merde. Oh, je crois qu'il fait mal le succo, faire gaffe. Hein. What? Accélère! Bougre! Quoi, il court plus vite que moi! Il court plus vite que moi, c'est la crise! Oh, je suis passé derrière lui! Défense-le! Attends, mais pourquoi il court plus vite que moi? Depuis quand le succo ça court vite? Aïe! Ah, je suis mort en fuite! Ok, on va s'arrêter là. Je suis mort comme un lâche. En fuyant contre un succubimus. Mais j'ai vécu tel un guerrier ayant tué 3 sarcosuccus. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, le Deathplay, je le trouve hyper fort. Il est super sympa à jouer. Prochaine vidéo, on le fera avec lui. L'anodontosaure. On va voir ce système de fracture, à quoi ça correspond. Bon, sinon, bah, vous savez quoi faire. Le petit pouce bleu. Je pense que j'ai raté vraiment beaucoup de trucs au niveau des nouveautés. Donc, dites-le en commentaire tout ce qu'il y a de nouveau. Et puis sinon, c'est tout pour moi. Donc, tout ce qui me reste à vous dire, vous savez, c'est... tout le monde.